l'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries, car nos mains, nous les portons très souvent à notre bouche. Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. Au 19e siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité des maladies mortelles. Grâce à lui, l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. Ce père de l'immunologie a expliqué aux médecins l'importance de se laver les mains. Sa découverte de la pasteurisation a rendu possible la destruction des micro-organismes dangereux pour la santé. Aujourd'hui, pour limiter les risques d'infection et de contagion, il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains, car celles-ci sont les agents de transmission de nombreuses maladies. Se laver les mains au quotidien consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire.